Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, une routine soin. C'est pour un soir comme celui-ci où je rentre tard chez moi. J'ai eu un shooting ou un tournage, j'ai été coiffée et recoiffée, maquillée et remaquillée. J'ai vraiment besoin de prendre soin de moi. C'est aussi l'occasion pour moi de vous présenter plein de produits soins que j'adore. C'est parti! Pour éviter les yeux de panda à la sortie de la douche, je commence par me démaquiller. Sur un shooting, je suis vraiment deux fois plus maquillée que d'habitude, alors je sors mes produits de compète. Un démaquillant je mets que je secoue pour mélanger les deux solutions. Donc lui, c'est celui qui va démaquiller mes sourcils, mes yeux et retirer le rouge à lèvres. Et une eau micellaire Sanoflore pour le reste du visage. Je file sous la douche pour me détendre, mais surtout pour me laver les cheveux. J'utilise le nouveau shampoing ultra apaisant Vichy Dercos, donc c'est pour les cuirs chevelus sensibles et irrités, donc typiquement pour les jours comme aujourd'hui. Il existe pour les cheveux gras, moi j'utilise celui pour les cheveux normaux à sec, et c'est un shampoing que je vous recommande si, comme moi, vous cherchez à apaiser votre cuir chevelu. Il est sans sulfate, ça je sais que c'est important pour beaucoup d'entre vous, et le petit plus c'est qu'il entretient les cheveux colorés. Vous verrez de toute façon le résultat sur mes cheveux une fois séchés, mais ce que vous ne pouvez pas voir, c'est qu'il stoppe les démangeaisons. Vous le savez par cœur si vous me suivez sur Snapchat, mais ma tenue préférée au monde, c'est mon pyjama. Donc ici, je porte mon nouveau modèle Etam avec ce beau message sur la poitrine. Smile, it's always a good idea. Moi, j'aime beaucoup. Avant de continuer ma routine, je me commande à manger, comme ça je serai prête quand mon repas sera livré. Ça, c'est une technique de fille hyper gourmande. Ce soir, je passe commande via l'application Deliveroo, donc je rentre mon adresse et je choisis un restaurant autour de chez moi qui me fait envie. D'ailleurs, vous avez été hyper nombreux à me demander un nouveau code promo et la marque en a créé un, rien que pour vous, et je le mettrai sous la vidéo. Place au masque, ici c'est un Glam Glow hydratation intense avec son petit pinceau. C'est une odeur à tomber, dites-moi en commentaire si vous connaissez. Moi à chaque fois, je sais pas, j'essaye de pas en manger sur moi-même. Donc je l'applique sur tout le visage et après 10 minutes, je rince. Puis une généreuse couche de crème Nyxa, donc elle va pénétrer toute la nuit. Donc j'ai pas peur d'en étaler une bonne couche. Je me sèche pas souvent les cheveux, mais je sais pas, ce soir-là j'avais pas de patience. Donc je les brosse longuement avant le sèche-cheveux. Et après, je me prends pour Beyoncé devant son ventilateur, là. Je sais pas pourquoi, je ne peux pas m'empêcher de faire ça quand j'utilise un sèche-cheveux. Dites-moi que je suis pas la seule, s'il vous plaît. Et je termine à l'aide de ma brosse à cheveux, vous savez, pour discipliner mon fidèle épi. Je sais pas où est le vôtre, moi, il est toujours sur le front, là. Et une fois mes cheveux séchés, vous pouvez voir un petit peu mieux le résultat de mon shampoing. Mes cheveux sont hyper brillants. Après avoir retiré mon vernis, j'hydrate mes cuticules parce qu'elles aussi, il faut qu'elles soient nourries. Donc j'utilise Doigts de Fée, c'est un produit de chez Lush que j'aime beaucoup. Donc j'en applique un petit peu sur tous les doigts et je masse autour de l'ongle. Et ensuite j'applique un petit peu de crème pour les mains. Ici c'est une Sanoflore à la lavande, j'adore cette odeur. Et j'en profite pour me faire un petit massage des mains, c'est cadeau. Un peu de baume hydratant, ici c'est un baume à lèvres teinté. Et ensuite j'hydrate mes jambes. Donc j'avoue que j'ai souvent la flemme de faire tout le corps, mais déjà les jambes c'est pas mal. Et là c'est un lait Palmer's. Donc c'est une marque que j'ai connue il n'y a pas très très longtemps, mais c'est un gros coup de cœur. Déjà pour l'odeur, parce que c'est beurre de cacao, donc imaginez comme c'est gourmand. Et surtout le produit colle pas du tout. Je lis un petit peu en attendant et ding dong, la magie du cinéma, ma commande Deliveroo est arrivée. En général, je peux pas m'empêcher de mettre le plat dans une belle assiette. Non pas que c'est plus pratique, mais c'est plus joli pour une photo Instagram. Et ensuite, je me mets un film sur Netflix pour terminer la soirée. Là, c'était un vieux film avec Jennifer Aniston que j'avais trouvé. Ça s'appelait Trait pour Trait, si ça vous intéresse, parce qu'il était vraiment cool. Moi, j'adore les séries sur ce site, mais j'aime bien aussi les petits films légers comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.